Là, je pensais planter des salades, du coup j'ai préparé le sol après. Je le trouve encore un peu trop humide, il se décompose encore pas assez bien, ça fait beaucoup de grosses mottes parce que c'est argileux. Donc je vais même pas planter aujourd'hui, je pense. Je vais encore attendre demain et peut-être repasser un motoculteur dedans ou voir comment ça se comporte. J'aurais du mal à donner une grande théorie quoi sur c'est beaucoup intuitif aussi en fonction de tous ces paramètres, en fonction de la météo, quand est-ce qu'il va pleuvoir ou pas, on joue toujours avec, avec au printemps, avec les journées de soleil, les fenêtres météo un peu où on peut travailler le sol et où il est assez ressuyé. Et les moments où il pleut et où là on est. Bon, on ne peut plus toucher au sol, donc on se concentre sur d'autres choses. Hier, je suis passé une première fois, on a laissé sécher une demi-journée, et on le reprend aujourd'hui, là, voilà, de façon à préparer la terre pour planter les pommes de terre. Ça aurait été bien que la terre, qu'on ait eu 2 ou 3 jours de plus, ça aurait fait du meilleur boulot avec le rotavator, si la terre avait eu 1 ou 2 jours de plus de ressuyage, ça aurait été bien. Mais là, elle est presque trop fraîche pour ça, ouais, pour nous. Et on a remarqué que plus la terre était sèche, mieux ça faisait du bon boulot qu'elle soit travaillée sèche, qu'on y plante, etc. Et puis qu'il y pleuve dessus après, ça c'est l'idéal. Mais alors que là c'est déjà le peu qu'on passe avec le tracteur là, c'est déjà un peu trop. Alors pourquoi on l'a fait aujourd'hui comme ça? C'est parce qu'on arrive bientôt au 20 mai là et que nos plants de pommes de terre ils commencent à en avoir marre et ils aimeraient bien être plantés là. Et qu'on ne va pas avoir que ça à faire par la suite après. On a encore plein de chantiers à faire. Et donc il faut avancer. Donc il y a cette notion là aussi qu'on sait qu'on ne fait pas du boulot parfait tout le temps. Donc, si on attend de faire du boulot parfait, on n'y arrivera pas. Quoi, hein. Là c'est un compromis, voilà. Et là, c'est ce qu'on fait. Le fait de l'avoir remué hier, et puis de laisser sécher, puis remuer là, puis venir prendre le repas, de 2-3 heures comme ça de séchage, et on y retourne après. Et donc, ces fameux lards, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé là, ces fameux lards qu'on a, pour éviter de créer ces lards, ils ont un petit peu séché, et on va les déliter assez facilement s'ils sont secs. Hein. Faut qu'elle ait réessuyé quoi. Je peux pas la travailler si elle est humide quoi. Ou alors après quand je travaille et qu'elle est vraiment humide, une fois que les planches sont formées quoi. Mais je vais travailler sur très peu de centimètres quoi. C'est vraiment pour refaire un lit de semences fines et voilà quoi. Le risque par exemple avec cet outil, en passant dans des conditions, enfin si le sol est trop mouillé, on va remonter des grosses mottes vraiment ultra lourdes, gorgées d'eau, ultra compactes. Et ça, si on le remonte en surface et qu'il y a du soleil par exemple derrière, ça sèche, ça devient dur comme de la pierre. Et alors, enfin, voilà, si on a des mottes comme ça ou même comme ça, qu'on a que ça, c'est compliqué de planter, de semer dedans. C'est le risque de ce sol, mais aussi de cet outil, ouais. Je pense, ouais, parce que vraiment, ouais, en passant dans un sol trop mouillé, on va remonter des mottes. C'est vraiment trouver le bon moment et. Ça m'arrive régulièrement de regarder le sol, de me dire bon je vais essayer et de passer l'outil et de me dire oh, c'est pas top, je vais m'arrêter là, je vais pas aller plus loin. J'ai un moyen assez simple grâce au toit en herbe, quand il goûte plus, tu sais que ça a déjà. Tant que je vois des gouttes qui tombent du toit, j'y vais pas. Et après, il faut attendre encore un peu, mais c'est déjà un bon signe quoi. Et après, sinon, bah, tu touches la terre, tu regardes si elle colle, si. Faut que quand tu la prennes dans la main, bah, c'est ce qu'on disait, quoi, que tu ne puisses pas en faire un bracelet. Quoi. Si tu peux en faire un bracelet, c'est que c'est vraiment trop humide et. Bah, je vais faire des mottes, je vais perdre mon temps et. Et puis après, bah, il va falloir attendre que ça se remouille, que ça ressèche, que le. D'accord. Que la nature fasse son travail, quoi. Donc je gratte le sol, je vois comment le sol il est, et puis ma crainte aussi c'était de que ce soit encore trop humide en profondeur, et que c'est aussi pour ça je pense que j'incline légèrement ces ailettes là,
c'est pour éviter de, si c'est trop humide, de lisser 15 cm dessous. Si c'est trop mouillé, le risque c'est de tout lisser et de faire du coup cette semelle un peu. Là je pense que quand même en fait ça a bien ressuyé, donc y a pas trop, y a moins ce risque, mais voilà, je préfère aller voir. On gratte un peu, y a un peu des mottes qui se désagrègent plus ou moins bien, et dessous on sent qu'il n'y a pas un truc lisse. Si j'enfonce le doigt, j'arrive à l'enfoncer. Et je sens que voilà, c'est. Donc c'était, pour toi c'était satisfaisant, ouais, c'est ça ? Ouais. Bah, je suppose que c'est comme tous les agriculteurs, bah, on essaye de travailler au moment où la terre est la plus jolie, quoi. Au moment où elle est la plus fine, où elle n'est pas trop mouillée, pas trop sèche, où on peut bien la travailler, où, elle est, où ça fait un joli lit de semences, où il n'y a pas de difficulté à planter. La terre, on la regarde enfin, tous les jours, on regarde voir comment c'est, quoi, comment, enfin concrètement, je veux dire. Concrètement, bah, c'est-à-dire, on va dans le genre, on prend une meute de terre, on regarde la terre, comment elle est sous l'arrêt au début, enfin, au-dessus du labour, au fond du labour, quand on a passé, est-ce qu'il n'a pas plu, qu'est-ce qu'ils ont annoncé à la météo, est-ce qu'il va pleuvoir, est-ce qu'il ne va pas pleuvoir, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, travailler de sec, travailler un peu plus. Ben, nous, on est amené à faire ça parce qu'on a une terre très très argileuse et donc très difficile à travailler. C'est-à-dire que s'il pleut, nous, s'il pleut une grosse pluie, il y a des gens, un jour, le lendemain ou le surlendemain, ils rentrent dans leur terre pour travailler et c'est, ça reste fin. Nous, il y a certaines pluies, quand il pleut vraiment 2-3 jours d'affilée, on reste 8-10 jours sans pouvoir rentrer, parce que c'est beaucoup, beaucoup trop mouillé, c'est trop tassé. Enfin, on ferait du très, très mauvais travail.